You came here to podium and you delivered that. You know, how important is that to the team? Oui, alors on venait ici à Jeddah avec un objectif de podium. On a réussi à faire ça après Villanova. On a travaillé très dur avec toute l'équipe sur beaucoup de petits détails pour voir comment on pouvait améliorer chaque petite chose. Et je pense que c'est vraiment on est vraiment content de la performance ici. On a sécurisé un podium. Par contre, on sait aussi que quelques petites erreurs, un petit peu trop souvent, nous ont un petit peu sorti du top des deux premiers bateaux. Après, on sait ce qu'il faut faire et surtout ce qui va être important, c'est l'année prochaine. Donc, on va travailler là-dessus pour qu'on soit prêt. There's not that many opportunities, is there, to race against these boats and your opposition? You know, how much confidence has your performance here given you going into 2024? Alors l'équipe est très confiante, surtout c'était intéressant de naviguer dans des conditions de vent léger, de vent fort contre les autres équipes. Ça prouve vraiment que tout le monde a fait un très gros travail dans la bonne direction, autant les designers qui nous ont aidés que le short team. On a les bons réglages du bateau, le bateau va vite, on navigue bien. Maintenant, il faut encore ajuster un petit peu pour l'année prochaine et surtout l'année prochaine, ce sera très important d'être très vite, très tôt avec un bateau quasiment à 80-90% de sa performance et puis gagner les derniers pourcentages sur la fin. Donc l'année prochaine sera très importante. You came here to podium and you did. I mean, how important is that for the team? Je trouve ça très important pour nous tous de faire un podium. On était mal parti dans la journée de nouveau avec une sixième place. C'était vraiment important de ne pas laisser passer ce podium, de ne pas en sortir pour nous, pour notre pride. Désolé, j'ai la peine à le trouver en français. Mais c'était vraiment important aussi pour toute l'équipe de voir qu'on arrive à régater et à faire un podium. Je crois que pour l'entier de l'équipe, c'est très important. It's a new start for Alinghi. It is a new team. I mean, what does that mean to the wider team to be able to perform well here? Ah, je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'on fasse bien. Hein. Toute l'équipe, beaucoup de joueurs ont travaillé dur, que ce soit sur la performance, que ce soit sur la technique. Tout le monde espérait qu'on fasse un podium et voire peut-être même gagner. On était vraiment là pour ça. Malheureusement, on a fait trop de petites erreurs en tant que marin. On a vu que le bateau était fiable, cet événement, et je crois que pour l'équipe, en l'entier de l'équipe, maintenant c'est à nous de travailler. On voit que l'équipe technique est solide, et je crois que c'est ce qu'on va retenir de cet événement pour la fois prochaine. Sum up the regatta for Alinghi Red Bull Racing. Pues la verdad ha estat una bona tres dies de competició. Hem fet molt bones regates, ens quedem amb això, hem millorat molt respecte a Villanova, estem molt contents una mica amb els resultats i sabem que estem molt a prop d'estar amb el mateix nivell que els barcos que han guanyat i ens queda només polir a petites coses i treballar amb la consistència, però estem molt contents del treball que hem fet fins ara. Sí, ara anem cap a Barcelona i la idea és concentrar-se ja amb la C75. Aquesta ha sigut l'última regata que fem amb els C40 i bueno, a partir d'ara és tot treballar el disseny, velocitat, entrenaments amb el barco gran. Sí, bueno, estamos muy contentos con la regata, con los resultados. Hemos conseguido hacer un tercero, es una gran mejora con respecto a las sensaciones que teníamos en Villanova.
En el equipo en general tenemos muy buenas sensaciones. Sabemos que hay que trabajar todavía en la consistencia, pero nos vemos muy cerca de al nivel que los que están ahí arriba, los que están los primeros segundos, como el Team New Zealand. And what are the lessons that the team are taking away? Bueno, aquí ha sido una muy muy interesante para nosotros, para coger el ritmo de competición y un poco medirnos cómo estábamos a nivel de otros equipos, saber cuál está, en qué aspectos tenemos que trabajar más. Y bueno, lo contentos que estamos es que más o menos estamos ahí, estamos en buen camino.